Bonjour. Il fut un temps où, dans de nombreuses petites villes et villages de France, il y avait des salles de cinéma. C'était une distraction populaire, bon marché, facile d'accès. Les programmes y étaient variés. Dans mon village natal de Vendeuvre, il n'y avait pas de salle de cinéma. La seule, c'était celle de monsieur le curé, qu'il avait vaillamment installée dans une maison dévolue à cet usage. Mon grand-père, homme serviable, que l'on voit ici avec ma marraine, il lui sert de beau-père, elle étant orpheline, m'emmenait les samedis voir des films donc chez Monsieur le Curé. Il y avait toujours foule, dont beaucoup d'enfants, devant l'entrée de la salle de cinéma. C'était une salle équipée d'une centaine de fauteuils récupérés d'un antique cinéma de Nancy. On était donc bien assis. Monsieur le curé assurait la projection en fond de salle, il mettait en route le projecteur et dans un bruit de cliquetis, la projection commençait dans un ah de satisfaction générale. C'est là que j'ai découvert à 12 ans, donc en 1959, trois films importants qui m'ont marqué. Ce fut par ordre chronologique, Si tous les gars du monde, de Christian Jacques avec les débuts de Jean-Louis Trintignant. On sera tous morts avant d'arriver. Et moi, je veux pas crever ici. T'entends? Allô? Ici SSTKXL. Sous le plus grand chapiteau du monde, avec Charlton Heston mis en scène par le très célèbre Cécile B 2000. Et le triomphe de Buffalo Bill, toujours avec Charlton Heston, mise en scène de Jerry Hopper. Les années passent. Après le décès de mon grand-père, j'avais 15 ans, ma mère découvrit dans une armoire de vénérables magazines abîmés par le temps et le mauvais papier. Quand je l'ouvris, je trouvai Les Indiens d'Amérique et un programme qui concernait le Buffalo Bill Wild West, spectacle mémorable de 800 acteurs et techniciens itinérant au travers de l'Europe après avoir écumé les États-Unis. Mon grand-père avait déjà fait allusion à la chose à la sortie de la projection du film. Il m'avait dit, mystérieux, moi, Buffalo Bill, je l'ai vu en vrai. À l'époque, je n'avais pas compris. Mon grand-père, étant né vers 1880, il avait donc bien vu en 1905 Buffalo Bill. William Frederick Cody, de son vrai nom, avait planté ses chapiteaux. Fait sortir ses Indiens et ses bisons dans la prairie de Jarville, en banlieue de Nancy. Pour ce spectacle, retraçant les grandes étapes de la conquête de l'Ouest américain, trois trains spéciaux ont été nécessaires afin de transporter le matériel, les animaux,
le personnel technique et les artistes, soit au total 800 hommes, dont 100 indiens et 500 chevaux. William Frederick Cody, naquit en 1846 dans l'Iowa et mourut en 1917 à Denver, Colorado. D'abord éclaireur dans l'armée, puis chasseur de bisons, il doit son surnom Buffalo Bill aux ouvriers de la Kansas Pacific Railway, où il fut engagé pour nourrir les 1200 poseurs de rails qui construisaient la voie entre Abilene, Kansas et Sheridan, Wyoming. Selon la légende, il aurait tué 4300 bisons en 9 mois. Il devra sa notoriété mondiale à un certain Ned Buntline. Mais qui était Ned Buntline? Arrivé à ce niveau de l'histoire, alors que je m'apprêtais à raconter l'histoire de Buffalo Bill, je me suis rendu compte que il y avait plein de films sur sa vie, légendaire, extraordinaire, et donc j'ai préféré m'intéresser à l'homme qui inventa Buffalo Bill. Cet homme, c'était Ned Buntline. Ned Buntline, romancier fantasque et promoteur de la légende de Buffalo Bill, est né Edward Carroll Judson en 1823, et il a quitté prématurément la maison. À 13 ans, il a pris la haute mer. À 15 ans, il avait déjà travaillé comme garçon de cabine et secouru l'équipage d'un bateau heurté et coulé par un Fulton Ferry dans l'Esther River à New York. En récompense, devenu aspirant, il sert en 1838 sur l'USS Constellation et l'USS Boston, à destination des Caraïbes. Il publie son premier récit. Il a choisi le nom de plume Buntline pour rappeler ses années de navigation. Une Buntline était une corde au bas d'une voile carrée. À la fin de sa carrière maritime, il passe les deux années suivantes, selon ses propres récits embellis, à tuer des buffles et des grizzlies et à parcourir les plaines de l'Ouest pour le compte de la Northwest Fur Company, la compagnie des fourrures du Nord-Ouest. Les profits de la traite des fourrures étaient importants, ce qui provoqua de nombreuses tensions entre la compagnie du Nord-Ouest et la compagnie de la baie d'Hudson, à tel point que plusieurs escarmouches armées mineures éclatèrent. Buntline traversait le Nebraska lorsqu'il apprit que Will Billy Cook se trouvait au Fort McPherson. Buntline avait lu un article populaire sur Hickok et espérait l'interviewer pour écrire un roman à son sujet. Mais il se fit éconduire. Toujours à la recherche d'informations sur son sujet, c'est-à-dire sur qui est Will Billy Cook, Buntline s'est mis à vouloir retrouver les amis de Hickok. C'est probablement ainsi qu'il a rencontré Buffalo Bill pour la première fois. Le mythe est basé sur ce que nous aimerions croire, tandis que la légende prend la vérité et renforce sa signification au fil du temps. John Ford avait dit « Quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende. » L'ascension de William Frederick Cody vers la gloire fut fulgurante. Tout d'abord, en 1869,
Ned Buntline rencontra Will Bill Hickok dans le Nebraska, alors qu'il cherchait à écrire les exploits du major Frank North, interprète et officier de l'armée des États-Unis et commandant des Pony Scouts. Mais qui était Frank North? Frank Joshua North, 1840-1885, était un interprète américain, officier de l'armée des États-Unis, et il est surtout connu pour l'organisation et le commandement des Pony Scouts ou éclaireurs ponies de 1865 à 1877. C'étaient des Amérindiens de la tribu des Ponies qui faisaient partie de l'armée des États-Unis en tant qu'éclaireurs. Comme les autres groupes d'éclaireurs indiens, les guerriers ponies furent recrutés en nombre pour lutter contre les tribus hostiles dans les grandes plaines américaines. Les ponies étaient des ennemis de longue date des Sioux et des Cheyennes. Frank North ne fut pas intéressé à ce qu'on raconte son histoire dans des romans à 10 sous. En revanche, il lui présenta le jeune Cody, qui lui était impatient de raconter ses histoires à l'écrivain. En 1869, Buntline a donc commencé à écrire une biographie très romancée sur Buffalo Bill. Elle s'appelait King of the Border Men. Ceci pour un journal new-yorkais, et c'était des bobards, mais les lecteurs ont adoré. Une légende commençait à naître. C'était donc un roman sur le chasseur de bisons et guide William Frederick Cody, pourvoyeur de viande pour les ouvriers de la Kansas Pacific Railway, comme on l'a dit précédemment, et surnommé par eux Buffalo Bill. Dans ce roman, Ned Buntline sacra son héros Buffalo Bill, le roi de l'Ouest. En décembre 1872, le roman de Buntline se transforma en production théâtrale et King of the Border Men firent leur début à Chicago. Le spectacle mettait en vedette Buntline, Cody et Texas Jack, et la ballerine d'origine italienne Giuseppina Morlacchi. Ce spectacle a fait une tournée sur le circuit théâtral américain pendant 2 ans. En 1873, Ned Buntline convainquit le légendaire Will Bill Hickok de faire partie de la troupe pour la saison 1873-1874 dans sa pièce King of the Border Men, mais le show business n'était pas fait pour lui. Buntline ne le retint pas, trouvant Cody beaucoup plus charismatique. Buntline a donc eu l'idée de créer une nouvelle pièce de théâtre où Cody jouait son propre rôle pour $500 par semaine. Scout of the Prairie, que l'on trouve aussi quelquefois sous le titre « Scout of the Plain », selon les historiens, que Buntline prétendait avoir écrit en 4 heures. Les acteurs l'ont répété 2 fois, et quand ils oubliaient des répliques, ils improvisaient. Donc pendant 10 ans, Cody a joué en dehors de son travail d'éclaireur et de tueur de bisons dans des mélodrames. 6 mois à tuer, 6 mois à jouer, où il a affronté des dizaines d'acteurs emplumés et peints en rouge. En 1884, alors qu'il écrivait d'ordinaire pour un journal à scandale new-yorkais, The Knickerbocker, Ned Buntline eut l'idée de créer son propre magazine, Ned Buntline's Own. C'était un mélange d'histoires d'aventure et de potins scandaleux, à la manière de la presse à sensation. On l'appelait Will Bill. De son vrai nom James Butler Hickok, il était considéré comme le meilleur tireur de l'Ouest. Sans projet ni fortune, ce dandy au style flamboyant
suscitait une admiration, ne semblant s'intéresser qu'aux femmes, au poker et au whisky. Un caractère bien trempé et une habileté à manier les armes à feu qui lui vaut de représenter la loi dans les territoires sauvages du Kansas. Un soir d'octobre 1871, sa vie bascule. Alors maréchal d'Abilene, il tue par erreur, lors d'une intervention, son adjoint et ami Mike Williams Cole. La ville d'Abilene en a eu assez de ces frasques et les habitants ont renvoyé Harry Cook. Sans plus de forme de procès, car aux États-Unis, un maréchal est élu par les habitants. Le vague à l'âme, Hickok rend son étoile de maréchal et bientôt à court d'argent, sans conviction et sans ressources, il accepte enfin, en 1873-1874, de paraître dans la pièce de Scout of the Plain de ce cher Ned Buntline. Lors de ce spectacle populaire, on l'a dit, à la gloire de l'Ouest, aux côtés de Buffalo Bill et de Texas Jack, il rejoue ses propres aventures, réelles ou fantasmées, devant un public avide de sensationnel. Mais il préférait le jeu au jeu d'acteur. Et lassé par ses mascarades en quête d'authenticité, il quitta la pièce à la mi-saison. Il reprend la route des Grandes Plaines, part chercher de l'or à Cheyenne, Wyoming, et là, il se marie avec Agnès Lake en 1876. Peu de temps après, cœur volage, il part avec Calamity Jane comme compagne de route et se rend à Deadwood, dans le territoire du Dakota. Et là, il a rendez-vous avec sa mort. Alors qu'il aurait gagné une centaine de duels, la légende du Far West incarnée par Will Billy Cook se termine par une tragédie. Le célèbre tireur fut lui-même tué d'une balle dans la nuque par John Jack McCall alors qu'il jouait aux cartes dans un salon de Deadwood le 2 août 1876. Il avait 39 ans. Après avoir combattu aux côtés de la Confédération sous les ordres du général Jeb Stuart, John Homondro, de son surnom Texas Jack, a déménagé à la fin de la guerre. Là, il s'est impliqué dans l'élevage du bétail, conduisant le bétail vers le nord. En 1869, Texas Jack rencontra William Frederick Cody, qui commençait également à gagner sa vie en tant que scout, chasseur et guide. À la fin de 1872, leur fortune changea lorsque Ned Buntline les invita à devenir les stars de Scout of the Plains, la fameuse pièce qu'il était en train de créer. Buntline se vanta plus tard de l'avoir écrite en 4 heures. Le casting a été renforcé par la présence de la célèbre ballerine et actrice Mademoiselle Giuseppina Morlacchi, qui avait introduit le French Cancan sur la scène américaine. Ses jambes étaient assurées pour 100 000 dollars de l'époque, soit 2 millions de dollars aujourd'hui. Après quoi, les journaux avaient affirmé que Mademoiselle Morlacchi avait plus de valeur que le Kentucky. Le 16 décembre 1872, elle fut présentée comme une attraction vedette du western dramatique de Ned Buntline, Scout of the Plains, avec Buffalo Bill et Texas Jack. Elle et Texas sont tombés amoureux et se sont mariés le 31 août 1873. Le couple se sépare de Buffalo Bill à l'amiable en 1876 pour créer leur propre troupe, la Combination Texas Jack, reconstituant de leur côté sur scène des scènes de l'Ouest. Ils tournèrent ensemble avec bonheur pendant les années suivantes. The Combination Texas Jack a été un succès pour Giuseppina Morlacchi et Texas Jack, mais ils ont également continué à se produire séparément. En 1878, Texas Jack apparut avec le docteur Carver, un dentiste devenu entrepreneur de spectacle qu'il avait rencontré plusieurs années plus tôt à North Platte, Nebraska. 5 ans plus tard, en 1883, Carver s'associa à Buffalo Bill pour créer le Far West de Buffalo Bill. Scout of the Plain, joué pendant plus de 10 ans,
ce spectacle finit par projeter Buffalo Bill dans le monde de la littérature et du music-hall. En effet, son autobiographie et des dizaines de dimes novels, à sa gloire, souvent écrits par Ned Buntline, paraissent en 1879. Et le Buffalo Bill Wild West est fondé, lui, on l'a vu, en 1883. Buntline participa à l'écriture du fabuleux spectacle, mais la réussite de ce spectacle servant d'exemple, les Wild West Shows furent nombreux, avec des gens divers et variés, tels celui créé par Pony Bill, qui s'intitulait « The Great Pony Bill Show Wild West ». En 1908, il rejoint Buffalo Bill pour le Buffalo Bill's Wild West. On doit à un génie de la publicité, Arizona John, toutes les affiches alléchantes qu'on trouva sur les murs et palissades des États-Unis, puis à Paris en 1889 pour le centenaire de la Révolution. Arizona John a été attaché de presse et publiciste pour le Wild West Show de 1883 à 1913. Il voyageait avant le spectacle, il rencontrait les journalistes et employait des techniques innovantes à l'époque telles que des mentions de célébrités, des dossiers presse, des articles d'opinion, des panneaux d'affichage, des licences de produits, toutes choses qui ont contribué au succès et à la popularité du show. En 1913, William Cody mit fin au Wild Wild Show. Il se sentait vieillir, il préféra arrêter dans de bonnes conditions. 4 ans plus tard, il décéda, mais la légende de Buffalo Bill devait lui survivre. Maintenant, je vais vous inviter à voir le fabuleux film fait par la 5, produit par la 5, la 5e chaîne de télévision. Le lien va s'afficher dans le coin de l'écran. Bonsoir.